Wesh les gens, c'est NeoDrummer. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une sacrée petite détente. Voilà. Donc on va faire à peu près n'importe quoi. Une détente de 40 minutes à peu près. Ou peut-être plus long, ou peut-être moins long, je sais pas. On verra bien ça. Donc on va commencer par les piloter. Les véhicules de la mise à jour, donc la mise à jour, hein, si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonne, c'est la mise à jour école de pilotage. Voilà, tout simplement, on va l'appeler comme ça sera plus rapide. Parce que normalement, il y a un autre truc après, enfin, je crois. Mais bon, je sais pas trop ce que c'est, donc on va rien dire. C'est mieux. Voilà, donc on se retrouve dans ma Turismo R aussi. Ainsi qu'avec mon nouvel avion que j'ai acheté. Donc, je vais vous faire voir tous les nouveaux avions. Mais bon, je pense que vous l'avez déjà vu. Que vous en avez déjà vu, ouais. Voyage et transport. Donc voilà, il y a eu ces trois avions. Enfin, celui-là c'est un hélicoptère, mais c'est pareil. Donc, celui-là c'est un jet. Un jet qui peut contenir 16 personnes, 4 personnes cet hélico et celui-là une personne, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Et moi il me reste un peu de monnaie, mais bon, je vais pas m'en servir. Cet avion, je l'ai déjà acheté, cool. Ouais. En bref, on va peut-être se prendre une nouvelle voiture parce que voilà, j'ai pas beaucoup de voitures moi. Pourtant, j'ai deux garages de 10 voitures. Ouais, je cherche pas une grosse voiture. Je cherche juste une à 100 000. Je sais pas, celle qui ressemble au. Ah, voilà, celle-là. Les Audi là. Je sais pas, 9X Cabrio ou 9X normal. Moi, ouais, 9X Cabrio, c'est plus swag. En rouge, on va la prendre, au pire, on la changera. Voilà, maintenant, on n'a plus de monnaie. On a 6 000. Ah, c'est pas grave, non, c'est pas là qu'il fallait que je rentre. Donc, on va se faire un petit tour dans cet avion qui est, moi, je pense, aussi maniable qu'un. Comment ça s'appelle? Qu'un. Ah, j'ai oublié. Qu'un. Ah mince. C'est pas bien que j'oublie. Qui est aussi maniable qu'un avion de chasse, voilà ce que je voulais dire. Attendez, on va voir juste. Ok, on peut pas zoomer. Donc on va rentrer les trains. Donc ouais, aussi maniable qu'un avion de chasse. Donc ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Et donc ben ouais, ce qui est plutôt pratique là, c'est un avion de figure aérienne à grande vitesse. Voilà. C'est l'update du petit avion que je vous ai fait voir à 200 000, 250 000, c'est son update en gros. Parce que très maniable, hein. Enfin, je pense qu'il est à peine moins maniable que l'avion de chasse. Donc quoi, ouais, aussi, il y a une école de pilotage maintenant. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'ils aient fait ça. Car ça rajoute toujours un peu plus de gameplay. Voilà. On est de moins en moins près de terminer le jeu. Surtout quand on l'a pas commencé. Non, bien sûr que j'ai commencé le jeu, hein. Enfin, pas en solo, mais ça a aucun rapport. Et donc ouais, c'est pas évident, évident, hein. Donc je vous conseille de le faire. Et dites-moi dans les commentaires si vous n'avez pas le jeu et si vous voulez que je vous fasse cette école de pilotage, que je vous fasse, ouais, les trucs. Par contre, je vous garde que les moments où j'y arrive, hein.
Je vais pas vous garder les moments où j'y arrive pas parce que il y en aurait beaucoup, 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 beaucoup. Ça, c'est dans ce genre de moment que il y a personne dans les rues. Ah non, mais il y a vraiment personne. What? Ah si, y a une voiture. C'est quelle heure? 1 h du matin. Moi aussi, ça paraît logique. Soit ils sont en boîte, soit ils sont en train de dormir. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, si vous n'avez pas le jeu, n'hésitez pas à demander que je fasse cette école. Hein. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, mais si vous voulez que ça soit moi, ça me dérangerait pas de la faire, au contraire même. Ou même voir comment je m'en sors, même si vous avez vu déjà ce que c'est. Hein. Moi, ça me gênerait pas. Par contre, je vous garde que les meilleurs moments. Hein. Ah oui, donc voilà ce que je voulais dire tout à l'heure, je viens de m'en rappeler. Oui, donc c'est ces styles de vidéos qui paraissent sur YouTube, tu vois, elles ont 10 minutes, mais elles t'ont pris 5 heures. Non, je rigole, peut-être pas 5 heures, 3 heures. Elles t'ont pris 3 heures, elles font qu'une heure. Même pas, elles font 20 minutes. Voilà. Ouais, et moi, c'est bien dans ce genre-là que j'aime bien. Que j'aime pas faire, ouais, justement. C'est plutôt ça. Se poser sur la plage juste après la roue et tout ça là. Ah, j'ai un petit défi après. Enfin bon, ouais, après de toute façon je pense vous tournez ouais un défi. Ce qui est bien aussi avec cet avion, c'est qu'il décolle vraiment très rapidement. Regardez, côté de la mer, on décolle bien avant la mer alors que j'étais même pas à 2 mètres de la mer. Bon, faut pas non plus jouer au fifou. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qu'on pourrait énerver dans cette. Ah, vous savez quoi? On va aller chercher un avion de chasse. On va aller faire les fifous. Je sais. D'habitude, je sors pas cette expression, puis ça me vient. Donc pourquoi pas? Ça pourrait être sympathique. Donc à part ça aussi, comment vous trouvez la qualité de mon micro? Ah d'accord, ici il y a un court de tennis. Pourquoi pas, on pourrait peut-être aller faire du tennis. Ça serait sympa, j'ai jamais fait de tennis. Ouais, j'hésite en fait à aller chercher un avion de chasse. Enfin, le seul truc que ça rajoute à cet avion, c'est les armes. Hein. Et la maniabilité à peine plus, mais bon, ça c'est une autre histoire. Le problème c'est qu'il faut pas qu'on se fasse exploser. Sinon, il y a une mission aussi qui est pas mal dans l'école de pilotage. C'est ouais, quand on tombe en panne avec le jet que je vous ai fait voir à 1 700 000, ou je crois que c'est 1 700 000, enfin bref. Celui qui est plutôt cher. Donc ouais, en fait, vous tombez en panne et vous êtes tout droit, enfin, vous êtes en direction de cette piste. Et il va falloir vous arrêter pile au moment où... va falloir que l'avion s'arrête pile au moment où vous êtes au bon endroit sur la piste. C'est compliqué ce que j'ai dit. Et je me suis même pas pris 4 étoiles pour le moment. Ça a pas duré longtemps, ça. Juste le temps, dès que je sors du truc, c'est bon. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais, stop, on sort. Parce que après ils vont me faire exploser, ça c'est bien connu. Non, pas une arme. Je veux pas d'armes. Je veux juste les armes du truc. Allez, go, rentre, 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 rentre. Parce que je vais pas m'amuser à y aller plusieurs fois. Hein. Ah, soit j'y vais une fois, soit j'y vais pas. Regarde, ouais, maintenant il y a aussi le missile sans guidage. Mais c'est quand même mieux le missile avec guidage. C'est toujours plus sympa, tu peux exploser des trucs avec au moins. C'est déjà ça.
Ah, le guidage, en fait, non, ça a la même. En fait, non, ça se guide pareil. J'aurais cru qu'il y avait plus de maniabilité sur celui-là que sur le Bestra, mais non, c'est pareil. Ouais, comme ce que je vous ai déjà dit au moins une fois. On va juste monter plus haut pour éviter de se prendre les hélicos. Donc mon avion, il est resté là-bas, c'est problématique. Donc voilà, on appelle ça une détente, oui. Excusez-moi, cette fois je vais essayer de me... Enfin, je vais couper mon micro, mais je vais essayer de le remettre juste après. Parce que la dernière fois, hein, dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai oublié de le remettre, donc ça posait problème. Enfin, bon, je coupe mon micro, à tout de suite. Hikari, Hikari, şimdi telefon ya Hikari, Hikari. Ki Hikari. Ha Hikari, bureau chi. À côté ordinateur, très bas, ordinateur VSC, à côté VSC. Donc on se retrouve, excusez-moi. Donc voilà, une petite une ellipse. Interlude. Je sais pas si ça se dit ça, interlude. Oh mince, on tire dessus et ça, c'est pas ça que j'aime. Ouais, en fait, j'ai tiré sur des policiers, donc voilà. En fait, ce qui me pose un petit problème avec cet avion, c'est qu'en fait, enfin, je me pose une question plutôt en rapport avec cet avion. Pourquoi en fait, quand on vole. Ben, ça vise que les policiers en fait. Ça qui est le problème. C'est ça le problème. Ça vise que les policiers ou ceux ou tes amis qui sont en avion de chasse ou en hélicoptère ou des trucs comme ça. Mais pourquoi ça te fait pas par exemple des voitures normales? Moi, ça me paraît très logique. La première cible qui apparaît au sol, tu tires dessus. Mais pourquoi ça veut dire que pour de vrai, ils se tirent dessus. Enfin, voilà, faut comprendre. Pourquoi ça te vise que les policiers? Peut-être parce que c'est juste ce que t'as besoin, mais bon. Donc on va essayer d'arriver aux 5 étoiles. Et d'aller après embêter des gens. On va aller leur ramener des popos ici. Après eux, ça va être sympa. Ok, il y a un type avec une. Avec une recherche là, avec une amende, je sais plus comment on appelle ça. Dommage qu'on puisse pas l'acheter cet avion. Mais il faudrait l'acheter, tu vois, un truc comme 4 millions ou enfin un truc bien cher là, pour que pas tout le monde ne l'ait. Enfin après il y a toujours les cheaters, les glitchers et tout ça, mais c'est une autre histoire. Ok, le type je viens de le voir. Ok, je viens de toucher quelqu'un. Donc voilà, là je l'ai en ligne de mire. On passe le pont et on tire. Attentat. On fait attentat les gens, attentat. Un type il se dirige vers l'aéroport. Et c'est bien parce que ça ramène des gens qui aient des nouveautés dans l'aéroport. Même ceux qui n'aiment pas forcément l'aéronautique. Hein. Perso, moi je suis un grand fan. Puisque je pilote même des avions. Mais voilà, quand même un assez grand fan. Donc c'est bien que ça ramène des gens. Comme ça, tu joues pas forcément tout seul. Il y a un peu de défi. Tu peux te donner des défis. Par exemple, exploser le premier que tu verras. Bah, toujours pas les 5 étoiles. Mais t'as vu le nombre de voitures qu'on fait péter pourtant. C'est surtout les hélicos, moi, qui me posent problème. Ah, et aussi le moteur actuellement.
Ceci est un large problème. Enfin, je sais pas, parce que là, je le vois s'éteindre. Ça prouve qu'il va bientôt exploser l'avion. Parce que, ouais, souvent, je perds les ailes, en fait, des avions comme ça. Je perds les ailes, ouais. Pourquoi? Posez-moi pas la question, je sais pas. J'ai sorti les pneus. Ils nous ont perdus, hein, et pourtant, c'est pas bien. Ouais, on va plutôt, ouais. Ok, ils ont détruit mon véhicule personnel, à moi de les détruire maintenant. Enfin bon, j'ai plus de trop de monnaie, c'est pas grave. Non, j'ai tué personne. C'est pas grave, on est reparti pour un tour. On va juste aller à peine plus loin. Oh, c'était quoi ça au sol? Un avion. Laissez-moi deviner, ça doit être un avion de chasse, ça. Qui vont m'envoyer après moi. Non, parce que sinon ça me ferait un point, certainement. Ok, mais je sais pas, mais j'ai cru voir un avion. En tout cas, ça c'est sûr. Ça aurait été cool, mais bon, ça l'est pas. J'aimerais juste arriver à tuer quelqu'un. Enfin, des personnes plutôt. Ok, là, il y en a au plein milieu de la piste. C'est des cibles prioritaires, celle-là. Celle-là. Je le vois pas, en fait, le seul problème. Si je me mets avec les pneus, c'est normal, hein, c'est pour me ralentir. Le problème, c'est que je suis tellement pas doué que j'arrive même pas à tirer sur quelqu'un, vous voyez. J'ai que 3 étoiles. Oh, t'es pas sérieux. Ils sont même pas capables de m'en donner 5, tu vois. Ils sont même capables de me diminuer. Et pourtant, j'en ai tué des gens. Hein. Je crois qu'il faut pas tuer un hélicoptère. Ouais, mais enfin, pourtant, je l'ai éliminé maintenant, l'hélicoptère. Ils m'ont peut-être perdu, mais bon. Où c'est? Ok, il y a quelqu'un en l'air. Je suis pas aidé, les gens, je suis pas aidé. Surtout si c'est un hélicoptère, un busard, je crois. Ouais, un busard, parce que. Ouais, je crois que c'est ça en plus. Le type va me tirer dessus. C'est pour ça que ça me fait un espèce de bip. Ou c'est peut-être parce que je me rapproche près. Donc ouais, c'est un bizarre le truc. Ouais, je l'ai eu. Yeah. Enfin, ouais, ce qui est aussi négatif avec un bizarre, c'est que tu peux pas facilement éviter les... Les balles. Ah, ça c'est bien que je l'ai explosé, ça. Au moins j'aurais fait quelque chose. C'est sûr. Ouais, je devrais peut-être pas faire que de l'aéronautique, vous allez me dire. Parce qu'il n'y a pas que ça dans ce jeu. Vous allez encore me dire. Ouais, j'ai encore les pneus. On peut peut-être se poser, mais je fais attention qu'il n'y ait pas d'autres trucs aériens qui... nocifs à ma santé, voilà ce qu'on va dire. Joue. Oh, il y a un avion dedans. On va le faire exploser. Ok, là-bas il y a un truc. J'aime pas être méchant. Adios. Même pas. Ok, cool, ça c'est cool. Ça met un peu plus de défi si le type arrive à éliminer. Enfin, de toute façon, il peut pas me tirer dessus. Il est qu'avec un Bestra, donc. Ah si, il est mort! Non. Si, il est mort. Enfin, non, il a dû sauter en parachute, certainement. Enfin, ça doit pas être moi qui l'ai touché. Il a dû juste m'éviter, en fait, ça. Ouais, c'est lui qui est en parachute, laissez-moi deviner. Ok, j'ai déjà une étoile. Enfin, bon, une étoile, hein. On va pas se cacher que c'est pas beaucoup.
Même pour piquer une voiture, j'ai plus, tu vois. Alors que quand tu fais péter des avions et tout ça, t'arrives même pas à avoir une étoile. Ce qui n'est pas trop logique, hein, à mon avis. Il y a un type en vol, je pense, là, le type en blanc. Avec son poing qui est blanc. Ah non, il est peut-être au sol en fait, lui. Ouais, il est au sol. Il était au sol, en tout cas, maintenant il est mort. 3 étoiles déjà, ouf. Oh, que j'ai fait péter que des voitures. Peut-être un hélicoptère aussi, mais ça c'est une autre histoire. Donc attendez, on va arriver en diag en on va arriver de face à l'hangar en fait pour faire péter l'avion qu'il y a dedans. Ça c'est un petit défi. Après je pense qu'on sortira des avions. Mais où c'est qu'on va aller? On va être... je sais pas, va falloir que je voie où on pourrait aller, voir qu'est-ce qu'il y a de sympa. Ce problème c'est qu'il y a que... Ce problème c'est qu'il faut pas que j'ai de cible. Voilà, maintenant j'ai plus de cible. Mais d'accord, l'avion a déjà explosé. Tire au poulet. C'est tellement vrai en plus. C'est tellement du tir au poulet ça. Bon, on est déjà à 20 minutes de vidéo, hein. Enfin, bon, ça a été plutôt sympathique, mais bon. Ok, il y a un type là qui est en voiture au sol. Ce problème, c'est que ça le vise pas, et ça, c'est énervant. Pourtant, je suis pas avec le sans-viseur, hein. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de bazooka, dommage. Je veux l'éliminer, ce mec. De toute façon, au bout d'un moment, mon avion il va péter. Dès que je vais lui mettre une trop grosse pression à l'avion, Bye bye! Il y a encore un avion? Enfin bon. C'est encore un avion. Ok, il a disparu. Voilà. Les mystères de... je ne sais quoi. C'était une personne. Excuse-moi, toi. Hein. Bon, c'est du massacre. Voilà, du massacre aérien. Le type, ça a explosé juste devant lui. Ça devait être tellement bien. Tu vois, tu passes dans le truc. Là, brrr, comme si ça s'ouvrait. Comme si les portes s'ouvraient juste devant toi. Ok, c'est bon, je vais arrêter parce que. Hein. Ouh là, j'ai cru que c'était la mort. La fin. The end. Ok, maintenant on va aller voir ma voiture qui n'est plus. Qui n'est plus, voilà, tout simplement. Voilà, on va arrêter parce que ça vous gave certainement. Enfin, je vous comprends. Enfin bon, c'est une détente, donc il n'y a rien, il n'y a aucun but prédéfini, il n'y a rien de spécial. Si le but ça pourrait être de me faire augmenter... Attendez, il y a quelqu'un au plein milieu de la route. Boum. Ah, c'était pas très loin des autres là, ce qui... Nettoie un peu la zone, j'ai envie de dire. Ah, il y a pas mal de monde hein, vers l'aéroport.
Ah ok, il y a quelqu'un qui essaie de me tirer dessus, donc là ça va rajouter plus de défis, quoique parce que c'est plus compliqué lui. C'est pas du téléguidé malheureusement. Téléguidé c'est toujours mieux. Ouh, c'était quoi ça? Vous savez quoi, on va faire sans le guidage. C'est pour pouvoir tirer sur les autres, sur les personnes normales. Voilà, donc maintenant on quitte les avions. C'est la première fois que j'ai tenu autant de temps, parce que d'habitude ça se pète avant, ou je suis tellement pas doué que je le fais exploser involontairement. Donc cette fois, on va pas aller chercher notre autre avion, hein. On va rien pouvoir commander, mais bon, c'est pas très grave. Allez, amène-moi le bifta. Ouais, qu'est-ce que je t'avais dit? J'étais sûr, enfin, je voulais pas dire. Hein. J'étais sûr quasiment que celui qui a été à côté allait me tuer, donc ouais, c'est pour ça que je me suis un peu dépêché au lieu d'aller dans la mutuelle mort pour aller ben, faire réparer ma nouvelle voiture, on va dire ça comme ça. Au lieu de faire ça, ben, enfin ma Turismo R, celle qui a été pétée, celle où avec laquelle on était au début de l'épisode, ben, au lieu d'aller appeler la mutuelle pour la faire remplacer, ben j'ai pas fait ça, j'ai pris la première que je voulais. Que j'ai trouvé plus tôt. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous ai rien dit encore. Oh mince, oh là là. J'aurais jamais cru que je puisse être trop dissimulé. En fait, ça me l'a pas commandé, hein? Si, non, ça a pas fait ça quand même. Non, mais je veux pas faire ça non plus. Ok, j'ai 3 étoiles. Bonne question. Pourquoi? Ben, je pense, ouais, qu'on va se laisser là. Une vidéo de 20 minutes, ça ira bien pour cette semaine. Enfin, bon, ça fait quasiment 30 minutes, mais bon, on va faire comme si ça faisait 20 minutes. Donc, on se retrouve bientôt pour deux nouvelles vidéos. Excusez-moi si on a fait que de l'avion la prochaine fois. On fera certainement un défi. Je vais certainement y tourner juste après. Et normalement, la prochaine fois, je dis bien normalement, hein, c'est dans combien de semaines? C'est dans 2 semaines, 3 semaines. Ouais. Donc là, on va me tuer, bien évidemment. Mais bon, donc ouais, à la prochaine fois. Bisous, bisous, bisous. Au revoir, parce que j'ai vraiment du mal. Hein. Allez. Au revoir.